Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, n'existe pas. Existe. Et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. C'est déjà pas très rigolo d'être schizophrène ou parano. On se dit rarement depuis tout petit. Moi quand je serai grand je serai suivi. C'est déjà assez compliqué de trouver quelque part où loger sans qu'un agent persécuteur puisse se présenter à toute heure et vous dire: toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Parce qu'un évadé de l'HP s'est retrouvé médiatisé. Faudrait murer tous les patients sous peine de péril imminent. Les fauteurs de troubles publics iront en prison psychiatrique. Et si ça coûte cher au trésor, y'a qu'à les enfermer dehors et leur dire: toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Un gestionnaire quand ça vous trace, ça prend le soignant pour une menace. Tandis qu'il y a bien assez d'argent pour faire des chambres d'isolement. Un gestionnaire quand ça bricole, ça vous fabrique des protocoles où le parano passe en audience grâce à de la visioconférence. Waouh! Toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Quand vient la nuit sécuritaire, on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont démérité. Résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus, l'insupportable ritournelle du fou dangereux criminel. Toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher.